Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On va revenir bien sûr sur le débriefing de notre match entre le Stade Brestois, Brest et le Paris Saint-Germain, avec un score très prolifique encore une fois, du score de 4 buts à 2. On va dire la vérité, Paris a marqué, c'est clair, mais Paris prend beaucoup de buts et justement on va revenir là-dessus. On reviendra bien sûr sur le jeu brestois, on reviendra aussi sur quelques joueurs concrètement qui ont été soit très bons, soit très décevants. Et bien évidemment, tout ceci c'est dans la foot zone. C'est parti. On va commencer tout de suite, bien comme à chaque fois, avec tout d'abord la composition des deux équipes. On va commencer d'abord avec Brest. Brest qui ont été composés donc du gardien qui était donc Bizot, concrètement le néerlandais. Une défense à 4 avec donc Pierre Gabriel, Chardonnay, Brassier et Runoven. Avec 5 milieux de terrain, avec donc Belkebla, Mbok, Cardona à droite. Alors j'ai mis Cardona à gauche parce que j'ai plus trouvé du côté de la gauche parce que Honora plus était à droite. Et enfin Romain Fèvre en meneur de jeu, on va appeler ça comme ça, en artiste finalement, chef d'orchestre. Et enfin devant, eh bien Steve Mounier qui se trouvait en pointe du côté du Paris Saint-Germain. Alors je vais baisser un peu le son parce que le son est très fort. Du côté du Paris Saint-Germain, on retrouve bien sûr Keylor Navas. Alors on dit d'ailleurs que Donnarumma maintenant est dans le groupe, même si Mauricio Pochettino continue à faire confiance à Keylor Navas. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? On verra ça dans la foot zone. Ensuite, on a une défense à 4 avec donc Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Amadou Diallo. Un 4-4-2 en losange, puisque nous avons eu un système avec Idriss Agueye devant la défense, Ander Herrera et Marco Verratti, et enfin en tant que dépositaire du jeu derrière les deux attaquants, Jorginho Wijnaldum. Et enfin en attaque, on se retrouve donc avec Mauro Icardi et l'inévitable Kylian Mbappé. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? On va tout de suite commencer avec le premier but, c'était un but parisien, c'était Ander Herrera. On débute le match, les Parisiens, on va dire, font ce qu'ils font depuis le début de la saison, c'est-à-dire que il domine, mais voilà, c'est plutôt intéressant ce qu'il propose. Et à ce moment-là, Mbappé qui se trouve sur le côté gauche, il tente de centrer, le Chardonnay renvoie la balle dans l'axe, Herrera tente une frappe de volée. Alors certes, Bizot essaye de récupérer le ballon, il n'y parvient pas complètement, ça frappe le poteau et ça rentre dans les buts. Voilà. Et donc les Parisiens mènent 1-0, c'est relativement mérité. Les Parisiens s'étaient créé les plus grosses occasions. Icardi qui avait un ballon qui aurait pu frapper mais a été dedans. On voyait Verratti qui a tenté de frapper, c'est quand même rare pour être souligné. Donc il y avait des choses très très intéressantes par rapport à ça. Et puis bah, deuxième but, nous sommes à la 36e minute. Paris commence petit à petit à bien gérer son avance, est tranquille. Brest est peu dangereux. Hakimi qui est sur le côté droit donne directement à Ganagay, qui tente une reprise, c'est pas bien fait, c'est récupéré notamment par Kylian Mbappé, qui fait une tête, et oui, Kylian Mbappé sait mettre des têtes, et ça trompe Bizot, donc 2 à 0. Et là, on se dit que le PSG, bah, ils vont dérouler tranquillement. Et là, nous sommes à la 42e minute, et là, bah, franchement, alors, c'est peut-être pas le but le plus beau d'un point de vue, parce que celui du Ganagay est bien sûr plus beau, parce qu'il est de loin, mais dans le terme du collectif, il est quand même excessivement beau, parce que tout simplement, il y a une perte de balle, je crois, de Thilo Kehrer, si je me souviens bien. Et à ce moment-là, Mounier, eh bien, sert Romain Fèvre. Fèvre tente un geste magnifique pour Franck Honora. Et tout simplement, frappe croisée. Et tout simplement, but. Et 2-1. Les Brestois, donc, croient en ça. C'est la mi-temps. D'ailleurs, il y a eu un problème de lumière. Et à ce moment précis, on se dit, bon, Paris mène 2-1. Il n'y a pas lieu à s'inquiéter, mais ça pourrait donner. Surtout que, bah, durant une certaine période, les Brestois, certes, on va dire, sont mieux défensivement, surtout qu'ils récupèrent mieux les seconds ballons. Mais il faut quand même l'avouer, le PSG, malheureusement, n'arrive pas à être dangereux. Le PSG manque de construction, le PSG n'est pas dangereux, loin de là. Et les premiers changements arrivent, Verratti remplacé par Draxler. Il y a plus de monde, on parlera de Verratti après. Et là, 73e minute, voilà, le ballon arrive à 35 mètres des buts. Ganagay tente une frappe. La balle est touchée par Bizot, mais pas suffisamment. Ça frappe le poteau et ça atterrit au fond des filets. Ensuite, on a une occasion. Keylor Navas qui est un peu assuré tout à un plat du pied de Pierre Gabriel. Il y a aussi une action. Alors, certes, elle n'est pas très, très intéressante, mais tu as notamment
un ballon, je crois que c'est Navas qui réussit à bien se couvrir. Et puis 85e minute, Icardi qui perd un ballon, d'ailleurs qui se blesse, j'ai pas dit Mauro Icardi qui s'est blessé à l'épaule, je sais pas si c'est à l'épaule, je sais pas où c'est. Il tente un geste qui est complètement surréaliste, et à ce moment-là ça part en contre-attaque, Romain Fèvre tente un centre, Mounier qui tout simplement coupe, tout simplement frappe, et enfin il récupère le ballon, contrôle, frappe entre les jambes. 3 buts à 2, et à ce moment précis, bah, Mauro Icardi doit sortir, comme je l'ai dit. Mais à force de se découvrir, parce qu'il fallait marquer, eh bien, sur un contre parisien, eh bien, tout simplement, Achraf Hakimi tentera un magnifique sprint et enverra la balle pour Angel Di Maria, qui fera un magnifique lob, qui enverra forcément la balle au fond des filets. 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer tout de suite. Ah, oui, j'ai pas mis les buts, on va tout de suite les mettre. Voilà, les buts. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rencontre? On va commencer tout de suite avec le stade brestois. Bah, Brest finalement fait pas un mauvais match. Brest, je les ai trouvés très intéressants. Les Parisiens ont petit à petit baissé le pied hein, au fil du match. D'ailleurs, ils ont été mieux, les Parisiens, on va dire d'un point de vue physique. J'ai trouvé que les Parisiens étaient mieux, mais surtout à la fin de match, on a vu des Parisiens un peu plus paniqués, attention. Mais c'est vrai qu'aussi, les Brestois ont su faire quelque chose d'intéressant. On va prendre la petite palette, puis on a la nouvelle technique. C'est qu'en fait, ce qu'ils ont souvent fait, c'est que ils ont surtout essayé d'y aller. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir le faire? Ils ont surtout essayé souvent de tenter. Alors ça va se faire comme ça. Ils ont surtout tenté de toujours de passer sur la profondeur. Et notamment par rapport à Honora. Honora a été excessivement. Alors il y a Romain Fèvre aussi, hein, clairement. Mais ils ont souvent essayé de partir à la profondeur pour essayer de trouver la solution. Et ça, c'est très intéressant. Alors. Le petit. Et surtout, bah, ils ont beaucoup joué sur le côté droit, sentant quand même que sur le côté gauche, notamment de l'attaque brestoise, donc il y avait Achraf Hakimi, et Hakimi concrètement, bah, ça avait beaucoup de difficultés à passer. Là, ils ont vu que du côté droit, bah, il y avait quand même Abdou Diallo qui avait quand même des difficultés, surtout en deuxième mi-temps. Donc ils se sont dit, voilà, on va essayer de faire ça là. Ça a bien joué, franchement, le geste de Romain Fèvre est exceptionnellement joli. Voilà, et honnêtement, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé très très beau. Et ça, franchement, c'est sympa. C'est sympa de voir des gestes comme ça. Je trouve que c'est des gestes, franchement. D'ailleurs, petit aparté, justement, je comprends pas pourquoi il est encore là. Franchement, je comprends pas pourquoi il est encore là. Je comprends pas pourquoi Romain Fèvre est pas du côté d'un club, d'un grand club français. Hein. Va falloir qu'on m'explique pourquoi Romain Fèvre, surtout qu'il est élégant, il est beau à voir jouer, il y a une vraie qualité. Et non, en fait, il est pas du tout. Alors certes, il a été pisté par le Paris Saint-Germain à un moment donné, mais sans déconner, moi je trouve que Romain Fèvre, c'est vraiment un joueur très techniquement très beau. Après Honora, je l'ai mis en top parce qu'il a été mieux, je trouve, dans les constructions, etc. Mais Romain Fèvre, franchement, il n'a pas à rougir de ce qui s'est passé, en tout cas, clairement. On va passer maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Bon, le Paris Saint-Germain. Qui gagne encore une fois, c'est vrai que c'est cool, qui a fait 9 points, qui avant justement les matchs de Clermont et Angers, déjà qui sera le seul leader pour l'instant. Le PSG marque des buts, offensivement l'équipe est quand même dans ce tournée vers l'attaque. Et franchement, c'est assez plaisant à voir justement comment ça se passe. Clairement, il y a deux possibilités dans l'étude. Dans l'analyse, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui vont dire le PSG prend beaucoup trop de buts. Et le PSG ne pourra pas se permettre de faire ça en Ligue des Champions. C'est vrai. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, il faut quand même un petit peu mettre un petit bémol dans le sens où on le voit. Regardez, par exemple, on va encore une fois revenir sur la composition d'équipe, puisque c'est ce qui est le plus important. A priori, donc il y avait quand même. Ça commence à retrouver des titulaires en base. Mais il manque toujours Marquinhos. Il manque bon, Wijnaldum, mais il manque quand même Neymar. Il manque Messi. Il manque encore des joueurs et je pense que quand les joueurs reviendront littéralement, alors certes offensivement déjà il y a quand même des bases qui sont bien acquises. Paris a envie d'aller dans le point de vue offensif. Alors après c'est toujours pareil. Quand vous jouez offensivement, la grosse qualité qu'il faut faire c'est bien évidemment quand vous voulez faire ça, attention à ce que vous ne vous projetiez pas trop et que vous preniez pas trop de buts. Parce que là ça fait quand même 2, 2, 1, ça fait beaucoup quand même. Là, le PSG, il doit faire attention parce que prendre 5 buts, c'est pas dans l'ADN du PSG de prendre autant de buts dans un match. Honnêtement, ils ont pris 5 buts, c'est quand même pas beaucoup. Alors, certes, offensivement, le PSG a la meilleure attaque du championnat, mais quand tu vois par exemple une équipe comme Clermont qui a 0,
Et des équipes quand même qui n'ont toujours pas pris de but. Donc attention, alors certes, encore une fois, on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme dans le sens où il manque Marquinhos. Je pense que Marquinhos saura stabiliser tout ça. Il manque encore Ramos, il manque encore des joueurs, il manque Juan Bernat, il manque encore des joueurs qui pourront littéralement apporter cette sérénité défensive. Parce que c'est pas Diallo qui va apporter une sérénité défensive. Au moment où ça se passe mal, Diallo il coule autant que le Titanic, hein, clairement. Mais forcément, quand tu as une équipe qui est joueuse, qui est là pour faire du jeu, bah clairement, voilà. Après, il faut quand même revenir sur une chose aussi, c'est que l'équipe parisienne a fait un petit peu ce que fait Marseille, ce qu'a fait notamment pas mal d'équipes qui sont en train de préparer. L'équipe, elle a été très bien, notamment en deuxième. D'ailleurs, on revoit toujours le même, un peu la même configuration, c'est-à-dire que on a une première mi-temps où le PSG est plutôt bien défensivement. Alors certes, il y a ce but en question. Et là, ça a quand même pu monter, parce qu'on est monté à la 70e minute, où le PSG est relativement solide, le PSG est plutôt bien, le PSG est plutôt structuré. Et puis, ben, il se passe qu'à la 75e minute, le PSG commence à paniquer. Alors, il y a ce but d'Entrelle Di Maria. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction parisienne. Vous voyez, il y a eu ce but de but à 1. On n'a pas senti des Parisiens stressés, on a vu des Parisiens. On a vu aussi des joueurs essayer de défendre. Il y a encore des choses à faire, hein, clairement, dans cette équipe. Mais après, faut quand même rappeler une chose, c'est que le PSG est en cours de préparation, ce qui est normal, pour ainsi dire. Après, ça n'empêche pas, bien évidemment, de dire qu'il y a des joueurs qui, s'ils continuent dans cette voie-là, ne réussiront pas à passer l'hiver, clairement. Je veux dire, on va commencer avec les tops, déjà. Alors, le premier, c'est Franck Honora. Alors, clairement, Romain Fèvre, il peut être top. Enfin, je peux mettre les deux en top, hein. Parce que clairement, il est très très bon, Romain Fèvre. Moi, Romain Fèvre, clairement, ouais. De toute façon, j'ai louangé Romain Fèvre, donc ça voulait tout dire. J'ai adoré Franck Honora parce que je trouve que ses projections vers l'avant, notamment sur le côté droit, ont été très très judicieuses. C'est lui qui marque le but. C'est lui qui donne cette possibilité-là. C'est lui qui donne de l'allant. Franchement, j'ai vraiment adoré la prestation de Franck Honora. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça très bon. Alors après, bien évidemment. Certains vont me dire oui, mais Romain Fèvre a été un poil meilleur. C'est un choix de riche. Voilà, c'est un choix de riche. Clairement, voilà. Après, au niveau des joueurs, certains vont dire que c'est ci, que c'est ça. Moi, j'ai plutôt apprécié. Voilà, j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce qui a été fait. Et sincèrement, voilà, pour ainsi dire. Le deuxième que j'ai envie de. Merde, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite poulette. Attendez. Ah, bah, j'ai une petite poulette. Voilà. Donc. On va passer maintenant au deuxième. Le deuxième, c'est Marco Verratti, que je trouvais. Franchement, il a. On voit qu'il y a un PSG sans Verratti et un PSG avec Verratti. Il n'est pas encore au top physiquement. Il n'est pas capable de faire des choses intéressantes. Mais je trouve que Marco Verratti, il a vraiment beaucoup de qualité. Je trouve que il a su donner aussi des bons ballons, vraiment. C'est vraiment un excellent joueur. Alors, oui, c'est un râleur. C'est un joueur qui est toujours en train de se plaindre. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il m'a. Je trouvais vraiment qu'il m'a épaté et honnêtement, sa qualité de passe, sa qualité de jeu, sa qualité de dribble, voilà, clairement c'est pas mal et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et plutôt bien amené par rapport à ce qu'il a progressé, pour ainsi dire. Ensuite, le dernier, bah, c'est Kylian Mbappé, hein, que j'ai trouvé très bon dans ce match, vraiment dépositaire du jeu, capable. C'est lui qui a littéralement, bah, c'est lui qui a lancé ce qu'on appelle le là. De cette équipe, clairement, hein. C'est lui qui a essayé de faire des choses, c'est lui qui a essayé de trouver des solutions, c'est lui qui a essayé de procurer des choses, c'est lui qui a donné beaucoup de qualité. Alors, c'est clair, attention, faites attention, j'ai fait ce que j'ai pas dit. Oui, il y a d'autres joueurs qui ont été très bons. Je sais que ces trois-là, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, oui, mais attends, Eganagay, oui, et alors, oui, Eganagay, oui, Achraf Hakimi. Oui, et si que ça, c'est vrai que faut quand même l'avouer, Hakimi a été très bon dans ce match, mais j'ai vraiment mis en avant ces deux-là. Pourquoi? Parce que je trouve que leur qualité était très bon. Voilà, mais c'est clair que Achraf Hakimi a été très bon. C'est vrai tout ça. Après, c'est un choix de riche, concrètement. Donc ne m'envoyez pas si je choisis plus ces trois-là, parce que clairement, plutôt clairement, hein, voilà, lol, je suis drôle. Hein. Mais voilà, clairement, moi j'ai vraiment adoré ces trois-là. Après. C'est un choix de riche dans ces moments-là. Quand vous avez beaucoup de bons joueurs, de pouvoir en choisir trois, c'est difficile. Donc pour ainsi dire. Bon allez, on va passer maintenant au flop. Ben.
Le flop pour moi, le flop de base, celui qui m'a vraiment déçu, d'ailleurs il s'est blessé, c'est Mauro Icardi. Mauro Icardi qui a touché quand même 22 ballons en 85 minutes. Il y a un problème Icardi au Paris Saint-Germain, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec ce jeune homme. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas du tout à la hauteur de ce que doit faire Mauro Icardi. Le pire, c'est que, encore la semaine dernière, il avait marqué, donc on pouvait dire, bon bah voilà, il a été intéressant, il a fait pas mal de choses. Là, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il était excellent. Je trouvais même qu'il était très très décevant. Il a quasiment erré comme une âme en peine. Alors que tu voyais son homologue à côté, Mbappé, qui était partout. C'est son style de jeu qui veut ça, mais je suis en droit de me demander. Alors certes, il y aura Neymar et Messi qui vont arriver, mais peut-être que le fait qu'il va rentrer va peut-être lui donner un peu d'air. Mais c'est clair que la situation actuelle de Mauro Icardi, qui s'est blessé en plus, ça veut dire que la semaine prochaine, ça sera Kalimuendo sans doute, ou alors Messi ou Neymar, mais ça m'étonnerait qu'il rentre direct. Mais voilà, clairement, moi j'ai été vraiment déçu de Mauro Icardi dans cette situation. Le second, c'est Thilo Kehrer. Alors pourquoi Thilo Kehrer? Parce que je trouve, alors certes, encore une fois, choix de riche, on aurait pu mettre Diallo, on aurait pu mettre aussi quelqu'un qui a encore du mal à donner des choses, c'est Jordino Wijnaldum, il a fait. C'est un peu du mieux, c'est-à-dire qu'il a procuré des choses, il a été bon durant 30 à 30-40 minutes, mais ça reste encore très léger. Mais Thilo Kehrer, c'est parce que quand la situation est. C'est, pourquoi je dis que Paris, il faut pas trop s'inquiéter défensivement, c'est parce que tu as Thilo Kehrer. Et Thilo Kehrer, bah tout simplement. Alors certes, il a touché des ballons. Certes, il a été là. Mais c'est vrai que quand il se passe un truc. T'as quand même le sentiment que Thilo Kehrer, du jour au lendemain, il peut te faire une bourde, quoi. Les deux buts, ils sont. On va pas dire pour lui, parce que ce serait faux. Diallo n'a pas été meilleur non plus. Mais franchement, les deux sur le côté, les deux ont été pour moi décevants. Et pour moi, celui qui a été le vrai flop, pour ainsi dire, bah, c'est Bizot. Alors pourquoi Bizot? C'est parce que il a deux buts, je trouve qu'ils sont pour lui. Il est décisif sur certaines choses. Mais je trouve que la tête de Mbappé, il sait pas trop ce qu'il fait. Le but de Gueye. Là, je trouve que. En fait, la balle, pour vous. Attendez, je sais pas si je peux vous la montrer. Alors, je vais vous faire un. Tiens, je vais vous faire un cadre. Je vais vous faire un cadre. Je vais vous faire un feutre, voilà. Vous avez un cadre, donc on va le mettre. On va le mettre là. Vous avez un cadre ici, donc on va imaginer. Et donc la balle part comme ça. Vous voyez? Et en fait, la balle part pas. Alors, on va dire qu'elle est plus là, d'accord? Et en fait, le gardien, il fait ça, mais en fait, il n'arrive même pas à détourner la balle. Le premier but. Alors certes, il est peut-être diminué, mais à un moment donné, parce qu'il est caché. Mais franchement, voilà, honnêtement, j'ai trouvé que c'était bof. C'était pas oufissime, pour ainsi dire. Alors certes, on aurait pu mettre Uronen, qui a galéré face à Hakimi. Mais clairement, il n'y avait pas. Mais franchement, c'était. Une déception pour moi, Thilo Bizot, par rapport à ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match? Ben voilà, j'ai à peu près tout dit, hein, clairement. Je vais juste enlever les petites imitations parce que comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, voilà. Donc, Paris gagne. Peut-être pas avec la main, parfois la tête. Peut-être qu'il y a encore des interrogations, mais il faut quand même pas oublier, ils sont au mois d'août. La préparation est longue, il faut digérer, il y a des joueurs qui sont encore pas là, c'est normal. Je pense qu'au fil du temps, les joueurs vont arriver au fur et à mesure. Voilà, tranquille, il faut pas tirer la. De toute façon, c'est pas en Ligue 1 quand t'as besoin de Messi, Neymar, Ramos et toute la clique. C'est en Ligue des Champions. Je pense que de toute façon, on en saura plus peut-être vers, on va dire, fin septembre, début octobre. Mais là, clairement, moi il y a des joueurs qui ont vraiment gagné des points. Des choses qui sont intéressantes. Après, faire attention. Je pense que Marquinhos, quand il va revenir, sera très intéressant. Il faut surtout pas que, voilà, l'équipe. Il faut trouver un moyen de faire un équilibre. Et je pense que les choses sont dites. Offensivement, les Brestois ont été intéressants. D'ailleurs, la paire Honora Favre me plaît beaucoup. Favre, pardon, me plaît beaucoup. Voilà, tout simplement. Bah, il faut continuer dans cette voie-là. Et je pense que le PSG et Brest pourront avoir de sacrés rêves.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de tout le reste. Je vous souhaite bien sûr une bonne nuit et une bonne soirée. Et c'est mon dernier mot parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis!